Chers Oisirois et Oisiroises, la majorité a présenté son budget début avril sans répondre à nos questions sur les investissements futurs. Les commissions ont été réunies une dizaine de jours après et on comprend pourquoi. Les projets présentés sont tout simplement irréalisables. Il ne s'agit plus seulement d'une question de priorité de projet. Monsieur Desmond et son équipe sont en train de bloquer tout investissement futur pour la ville et freinent ainsi son potentiel développement. Ils ne feront pas ce qu'ils ont promis sur le mandat, c'est certain. Sans doute, leur nouvelle stratégie est-elle de travailler à vous faire de nouvelles promesses en 2026. Vos élus minoritaires continuent de défendre vos droits. Là où la majorité a présenté une mesure d'aide aux travailleurs pauvres, réservée aux dépenses d'énergie, nous avons défendu un coup de pouce pour tous les foyers, sans condition de revenus, à dépenser dans les commerces alimentaires partenaires de la ville. Une aide sans distinction, réinjectée dans l'économie locale. C'est une proposition vertueuse au service de tous. Notre mesure a été adoptée par les administrateurs du CCAS. Nous restons à vos côtés pour défendre vos intérêts, même pendant la période estivale. Nous vous réservons également quelques surprises pour la rentrée, alors connectez-vous à notre page Facebook pour ne rien rater. Nous vous souhaitons de passer un bel été.